Yeah, you are my African queen. Hello! Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette énième vidéo. Alors, je viens aujourd'hui pour vous montrer la lotion détoxifiante pour le cuir chevelu qui m'accompagne depuis que j'ai commencé mon challenge chez Bé. On est aujourd'hui le 20 mai. Le 20 mai et le 26 mai, ça me fera 4 mois de challenge. Donc durant cette période, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment je fais pour tenir pendant tout ce temps sans faire de shampoing. Alors ça va être simple, c'est cette lotion qui m'accompagne. Je vous l'ai souvent présenté sur mes vidéos de chez Bé, d'application chez Bé. Cette fois j'ai décidé de vous montrer la recette. Alors cette lotion détoxifiante est tout aussi intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de démangeaison, de pellicule, des personnes qui sont sujettes à des cuirs chevelus inconfortables. Donc c'est une lotion qui va venir assainir le cuir chevelu. Moi je l'utilise tout simplement pour que mon cuir chevelu reste sain durant cette période de challenge chez Bé qui va bien sûr se terminer le mois prochain, le 26 juin. Alors, je l'applique sur le cuir chevelu, je le fais une fois par mois et encore, c'est quand vraiment je ressens des démangeaisons que je l'applique. Sinon, si vous êtes sujet à des pellicules et régulièrement à des démangeaisons, vous pouvez appliquer cette lotion à titre curatif tous les 3 jours par semaine. Sinon, si c'est juste pour une question d'entretien, vous pouvez l'appliquer une fois par mois. Donc, voilà pour la petite recette parce que j'ai vu que beaucoup de personnes me posaient des questions à ce sujet et beaucoup de personnes, pendant qu'elles font leur challenge chez Bé, elles ont des démangeaisons. Donc, appliquez cette lotion sur votre cuir chevelu. Alors, de toute façon, quand vous appliquez cette lotion, immédiatement, vous sentez la différence. Les démangeaisons diminuent instantanément. Et puis, voilà, vous êtes un peu plus à l'aise. Donc, c'est ce que je fais depuis le challenge chez Bé, comme je vous le disais, depuis bientôt 4 mois. Et encore que c'est rare, parce que moi j'ai un cuir chevelu sain, il est sensible, mais il est sain. Donc je n'ai pas de problème de pellicule, je n'ai pas de problème de démangeaison, je n'ai pas de problème de croûte, je n'ai pas de problème de cuir chevelu, bref. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je continue mon challenge chez Bé. Je reviendrai donc pour la vidéo finale le mois prochain. Entre temps, je ferai certainement encore une vidéo pour vous montrer la fin de mon challenge. Donc officiellement, je suis la représentante de NBS France, donc c'est moi qui distribue le chez Bé en France. Je vous mettrai les photos en fin des vidéos. Si vous voulez me contacter, il y aura un numéro de téléphone qui sera, c'est pas mon numéro personnel, ce sera un numéro à titre professionnel pour les ventes de chez Bé que je vous laisserai également en barre d'informations ou alors sur l'écran avec les images de distribution de chez Bé, de la marque NBS et quelques autres produits qui accompagnent également cette marque. Continuez de me suivre, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, c'est vraiment très encourageant, ça fait très plaisir et ça me motive de partager encore avec vous et toujours avec un réel plaisir. Alors les personnes qui ne sont pas encore abonnées, il est temps de m'encourager dans ce sens-là. Et ceux qui m'ont toujours suivi depuis le début, je vous fais des très 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 gros bisous. Restez connectés et continuez de me suivre durant cette aventure capillaire parce qu'il y a plein de belles surprises qui arrivent. Je vais être peut-être un peu longue, mais j'annoncerai également mon challenge chez Bé pour la période de l'automne. Je vous l'avais déjà signalé dans une vidéo. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux, ils poussent. Il y a beaucoup de volume, franchement. Ils sont assez souples. Voilà, là je m'apprête à aller appliquer mon chez Bé. Je pense que c'est la 33e application de chez Bé que je vais faire aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez donc pas à préparer votre lotion détoxifiante pour le cuir chevelu, pour vous assainir le cuir chevelu, pour éviter les problèmes de pellicule et de démangeaison. Je vous fais de gros bisous. Cette fois-ci, je m'en vais. Je vous dis à très vite. Alors, c'est parti pour la préparation de notre lotion assainissante pour le cuir chevelu dans mon flacon mauve. C'est du gel d'aloe vera fait maison dont on aura besoin. L'aloe vera est un apaisant, un assainissant, un hydratant et puis j'en passe.
Ensuite, le conservateur Kosgar, il est facultatif. On va recueillir 5 gouttes du jus de citron vert, notre flacon applicateur. Il nous faudra de l'eau minérale et pour finir, du vinaigre de cidre pomme. Alors, le vinaigre de cidre, c'est bien entendu sans publicité. Alors, je vais mettre l'équivalent de 80 ml dans mon flacon applicateur. Mon flacon a une contenance de 100 ml. Et puis, je vais rajouter une cuillère à soupe du gel d'aloe vera. Je mélange bien le tout, je secoue bien tout ça. Après avoir ajouté le gel d'aloe vera, place au vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, je vais mettre une demi-cuillère à café parce que ça, c'est une toute petite cuillère à café. C'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café normale. Je mélange le tout. Alors, le vinaigre de cidre, en plus de rendre les cheveux brillants, il assainit le cuir chevelu, détoxifie le cuir chevelu. Il est excellent contre les pellicules. Ensuite, mon jus de citron, je vais le presser pour pouvoir recueillir 5 gouttes de jus de citron. Le jus de citron vert lutte également contre les pellicules. Il nous faut juste quelques gouttes parce que si vous en prenez plus, le jus de citron vert a tendance à éclaircir vos cheveux. Donc, si ce n'est pas votre souhait, mettez-en très peu. Suivez bien les quantités. Et pour finir, je vais mettre 10 gouttes de conservateur Kosgar. Donc, c'est une lotion qu'on peut garder au réfrigérateur pendant 2 semaines sans conservateur. Voilà, je secoue bien le tout. Voilà pour la petite recette de cette fois, le petit DIY pour venir assainir notre cuir chevelu. Vous m'avez posé la question souvent. Donc voilà, je vous ai apporté la réponse en vidéo. Je vous fais de très 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 gros bisous. Ne manquez pas mon dernier épisode de Challenge Chebe qui va pas tarder. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.